Les vrais enjeux. Les vraies questions. Les vraies questions. Les 17h27, c'est l'heure de l'ajout des analystes en compagnie de Gaëtan, Mario et Emmanuel. Bon vendredi à vous trois. Merci d'être là. 8 mars, tout d'abord, on va parler de la journée internationale des droits des femmes. Il y a un nouveau rapport, notamment aujourd'hui, de la Fédération des municipalités du Québec qui dit que la place des femmes en politique municipale dans la province s'améliore. C'est vraiment positif. On le voit dans le rapport. Puis aussi, on voit que les responsabilités sont de plus en plus partagées avec nos homologues masculins. Donc, on voit que la conciliation travail-famille fait, euh, fait son chemin là, euh, dans les, les, les deux côtés. Il y a effectivement beaucoup de chemin parcouru pour les femmes en politique, Emmanuel, mais il reste encore beaucoup à faire, n'est-ce pas? Euh, oui, c'est certain, parce qu'il euh, y a encore euh, de la mesquinerie, il y a encore un jugement que les femmes ne sont pas capables de faire certaines choses. Il y a un plafond de verre que les femmes ont dans leur propre tête aussi. Hein. Euh, et il y a cette question de la conciliation travail-famille qui pose vraiment des problèmes majeurs. Et je le dis que les femmes s'imposent, parce qu'on est dans une société maintenant, où moi je pense qu'en ce 8 mars, il faut aussi... Moi, je pense toujours au chemin qu'on a parcouru, là. Alors, c'est extraordinaire. On, les femmes de mon âge, de ma génération, on a le bénéfice d'avoir des maris qui travaillent, qui en font autant à la maison, tout ça. Mais nous, dans notre tête, on s'impose aussi comme femmes d'être plus présentes, on est plus déchirées sur ces enjeux-là. Et je pense que ça, ça contribue à compliquer énormément euh, la place des femmes en politique, entre autres. Dans ce même rapport de la Fédération des municipalités, Mario, moi, il y a, des, il y a un extrait, un passage qui m'a fait sursauter. Vous voyez ces commentaires auxquels ont eu droit certains une femme en politique municipale au Québec. Là. Un élu m'a dit de retourner dans ma cuisine. Vu que tu es une fille, tu vas t'occuper des loisirs, ça va être facile. En tant que femme, tu ne peux pas comprendre. Pas surprenant et ahurissant de voir des commentaires comme ça en 2024, Mario? Ça fait certainement euh, dépasser. Bon, en même temps, c'est des commentaires. C'est peut-être... Euh, J'ose espérer qu'on nous livre dans ce rapport-là le pire, mais ça nous dit que ça existe encore. J'ajouterais à ça quand même que ça, c'est des commentaires entre élus, ce qui rend ça peut-être plus grave, mais dans les commentaires du public. Et ça, c'est un... On le vit dans les médias. Tu sais, euh, moi, une animatrice féminine, on, on exprime un point de vue, quelqu'un est en désaccord, puis il l'exprime de façon malpolie. Fait qu'il t'envoie, il t'en guirlande, toutes sortes d'insultes quand c'est une femme, 19 fois sur 20, ils vont rajouter dans la phrase un commentaire sur le physique, à caractère sexuel, quand c'est pas de la violence sexuelle, puis tout ça... Qu'on fait pas un homme. Et c'est l'espèce d'ajout, tu dis, mais c'est quoi, quoi cette ce bêtise-là? Donc, c'est certain que dans les attitudes, là, il, y a encore des, euh, il y a encore des progrès à faire, puis il y a encore cet, cet esprit-là dans la tête de certains hommes qu'on aurait le droit. Tu n'es pas d'accord avec une femme, tu dis, bon, d'abord s'exprimer poliment, ça a toujours sa place, mais il y a une partie de la population qui a oublié ça. Ouais. Mais, mais pour les hommes, c'est quoi ce commentaire de plus à l'endroit d'une femme avec annotation sexuelle? Qu'est-ce que ça vient faire? D'où tu prends ça? Je, ça? Ça reste une bêtise. Là. Il y a le gouvernement québécois, le gouvernement de la CAQ aujourd'hui, qui interpelle le fédéral, qui lui demande de criminaliser ce qu'on appelle le contrôle coercitif, là, le fait d'intimider, euh, humilier, manipuler euh, sa victime. Euh, C'est un, une bonne décision, une bonne demande de, de Québec, Gaétan? Absolument, absolument. Ouais. Parce qu'on peut faire la parallèle avec euh, la percée des femmes en politique. En politique, on fait aussi des lois et les politiciens sont souvent moins aujourd'hui à majorité masculin et ceux qui, euh, qui, qui font ça, la coercition, ben c'est des hommes. Moi, j'ai toujours pensé que ce genre de choses-là était influencé par les gens qui étaient en place. Les lois sont toujours en retard sur la réalité. La société, elle est rendue où ce n'est plus tolérable et les lois devraient s'adapter et la lettre que... Euh, madame, Mme madame Biron, madame Biron et euh, M. Jolin-Barrette ont envoyé un Ottawa était parfaitement justifié et dans son temps. C'est maintenant que ça doit se faire. Le fédéral devrait répondre à ça. Le fédéral a répondu, d'ailleurs. Le bureau du ministre de la Justice a parlé par communiqué cet après-midi disant que le gouvernement du Canada s'engage à mettre fin à toutes les formes de violence fondées sur le sexe et à combler des lacunes du code criminel. Le gouvernement Trudeau se dit féministe. Emmanuel devra aller de l'avant? ben oui mais pour moi moi quand je lis cette réaction là euh, je vois un copier coller euh, un peu mm. qui ressemble à des déclarations passées euh, c'est tout le monde est féministe tout le monde est en faveur de la de la fin de la violence contre les femmes. L'enjeu, c'est, vont-ils déposer un projet de loi? Vont-ils ouais. agir? Et vont Ils vont-ils s'organiser pour qu'il soit adopté? C'est comme quand on dit euh, régulièrement à Ottawa, nous allons travailler très fort, nous allons collaborer avec les provinces, mais au bout de la ligne, ça arrive pas. Bien là, Dans ce dossier-là, c'est le temps que ça arrive. On les entend souvent, ces lignes-là, effectivement. <laughs> euh, on parlait de cette mobilisation d'agriculteurs aujourd'hui, demande au gouvernement la moindre paperasse. Euh, plus d'aide en cette période où il y a les changements climatiques. On peut écouter quelques extraits là, des témoignages qu'on qu a vus hein, aujourd'hui du côté de Rimouski. Il faut que ça change. Il faut vraiment augmenter les budgets en agriculture et en agroalimentaire. Alors, un cri du cœur pour plus d'aide. Mario, est-ce que les agriculteurs ont raison de demander ça? Ça va plus du tout, là. Tu sais, un agriculteur, essentiellement, chaque agriculteur est un peu comme une PME. Il vit, il fait vivre sa famille avec. Tu sais, il y a ses revenus là, de ses ventes agricoles, puis tu soustrais ses dépenses d'opération agricoles, puis ce qui reste entre les deux, tu... avec ça, tu fais vivre ta famille. Euh, les chiffres du fédéral, là, il y a quelques semaines à peine, c'est catastrophique, l'effondrement du revenu agricole, parce que les revenus n'ont pas augmenté vraiment, même dans certains cas ont décru, mais les dépenses agricoles, le diesel, les dépenses de toutes sortes ont augmenté considérablement. Et donc, euh, c'est c'est une crise. Gardons à l'esprit, le soyons un petit peu allumé. Gardons à l'esprit ce qui s'est passé en Europe avec des situations très semblables. On demande aux agriculteurs de transformer. Complètement leur production pour des raisons environnementales qui sont peut-être en partie justifiées, mais on leur demande de faire ça sans, en très très peu de temps, sans que leurs revenu soit adapté. Donc essentiellement on leur propose de travailler fort pour crever de faim. Et en Europe, toutes les capitales européennes ont été prises à partie par les tracteurs. Euh, préparons pas la même chose ici. Là. On n'est peut-être pas si loin que ça de ce genre d'impatience du monde agricole. Donc les, les gouvernements devront agir selon toi, Emmanuel. Bien, le gouvernement Trudeau a raté une belle occasion euh, d'agir quand il y a eu tout ce débat sur. Euh et ce projet de loi adopté au Sénat autour de l'idée de au moins suspendre la taxe carbone pour les agriculteurs parce que ça a un si gros impact dans leur propre budget. Et euh, le gouvernement a refusé de le faire, moi, je pense, juste parce que l'initiative venait du Parti conservateur. Donc là, maintenant, il est un peu coincé. C'est certainement pas Ottawa qui peut reculer puis trouver une solution à ce problème-là maintenant. Et un élément additionnel qu'on réalise pas dans la population en c'est que dans le monde occidental, l'agriculture est un secteur d'activité très subventionné par les États. Particulièrement en Europe et aux États-Unis, qui, qui ont des records de subventions. Et nos agriculteurs sont en compétition avec ces gens-là. Alors, la compétition par la subvention, bien, ça les met dans une difficulté de laquelle ils ne peuvent se sortir que par l'aide de l'État. Restez là, on s'arrête le temps d'une pause commerciale. Au retour, les nids de poule à Montréal, année record pour les signalements. On va également parler du débat sur le changement d'heure parce que c'est enfin